Tu as faim, Livio ? Non, non. Et vous, monsieur Garcin ? Non, non, non. Non, mais si tu prépares à manger, je mangerai avec plaisir. Je vais à manger, donc. Fais ce que tu veux, mon petit. Mais si tu prépares le dîner, je serai prêt, voilà tout. Le temps de prendre ma douche et je vais préparer à manger, monsieur. Ça vous plaît ? Beaucoup. C'est ma mère qui t'a appris cette recette. Votre mère ? Ouais. Elle adorait cuisiner les épinards. Je vous ai cuisiné des pâtes, monsieur. Ah oui, ce sont des pâtes. J'aime beaucoup vos pâtes. Pas très compliqué, hein. Pardon ? Je dis que c'est comment comme repas ? Pas compris. Monsieur ? Vous cherchez quelque chose ? Non, non, tout va bien. Tout va. Vous êtes sûr ? Oui. Ah, attention. Vous êtes fait mal ? Non, non, non. Mais je voulais me reposer dans ma chambre et... Je suis désolé, je t'ai dérangé pour rien. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est à l'intérieur, votre chambre, vous savez. Ben évidemment, je sais où est ma chambre. Pardon. Monsieur Garcin ? Monsieur Garcin ?
Monsieur Garcin, vous... Ça va? Bah oui. Je venais souvent ici quand j'étais enfant. C'est sûr, le parc a beaucoup changé, bien sûr, mais... Mais je reconnais toujours. Mais vous... Vous veniez avec votre mère? Ouais. Puis avec mes copains aussi. Allez hop! Merci. Tu as faim, Livio? Non, non. Pas spécialement, non. Et vous? Non, non. Non, mais si tu fais à manger, je mangerai avec toi. Thank you.